Yo tout le monde, c'est Kéléra, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, on se retrouve pour la suite d'Hello Nightmare devant la boulangère. Et là, effectivement, cette fois-ci, c'est codé, on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, on est tranquille. Donc maintenant, sans plus tarder, on y va. Allez, là, elle bosse. Attends, il y a une échelle. Moi, je passe par l'échelle. Hein. Je veux pas passer par la porte d'entrée. Hein. Si je peux passer par l'échelle, moi, je suis tranquille. Hein. Oh, je peux peut-être péter la fenêtre avec ça. Oui. Ah bah là... J'aurais pu ouvrir comme ça aussi. Ah, il manque un truc là. Une sorte de manivelle. Ok. Ah, il y a un tuyau. Putain. Bon, ça va. Ah zut, je l'aurai un jour. J'ai l'impression que la boulangère va être moins compliquée à Brain. Après, je peux fou de me tromper. Hein. Oh bah. Attends, j'ai pris quoi? Ah, le truc de l'horloge! L'heure! 10h35. C'est vrai que là, je commence à être pas peu fière de moi. Je commence à développer un talent non négligeable pour les énigmes. Oh putain. C'est un bouton. J'en profite vite pour descendre pendant qu'elle est pas là. Mais non mais madame, je voulais juste vous acheter un petit peu de pain. Vous ne faites pas le pain ici? Enfin, je sais pas, c'est un classique le pain. Je vais passer par l'arrière. Attends, attends, attends. Oh, il y a encore un poids. What? Je peux grimper grâce à ça? Oh. Oh. Bon, ça me paraît compliqué là quand même, hein. Je vois pas trop ce que je peux faire. Moi, ouais, je veux bien faire des efforts, mais là... Oh merde! Ouais, bah c'est bien ce que je dis. Je veux bien faire des efforts, mais là, faut pas déconner. D'accord, ça ne se casse pas. Donc là, elle est à l'arrière-cuisine. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a une porte à droite. Un feu. Oh, elle a une clé. Elle a un truc d'accrocher à sa ceinture. Là. Tu vas voir, moi ça va pas demander longtemps. Professionnel. Oh. Un petit cats. Ok, je viens de repérer, il y a une clé. Attends, attends, attends. Il y a une clé. Un truc. Merde. Comment j'ai fait? Je suis passée par là. La manivelle. Bouge pas, tu vas voir. La manivelle, ça actionne quelque chose, forcément. Comment j'ai fait? C'est que c'est pas bien ce que je fais là, parce que je perds du temps. La manivelle, ça actionne forcément quelque chose.
Il y a un gros tuyau. C'est vrai que passer par là, c'est pas mal aussi pour regarder. Le chat, il a faim. Et merde. Perds pas de temps, Martine. Hein. J'ai voulu tenter. J'ai voulu tenter. Elle passe par là en fait. J'ai l'impression que c'est ici l'étage. Hein. Attends, attends, si elle pétrit de la pâte ou qu'elle fait je sais pas quoi. Peut-être passer tout de suite par l'arrière. J'ai tenté, j'aurais pu la voir, mais j'ai mis trop de temps. Ok. Pour le chat. Le nuggets. Le poisson pané, là. Alors c'est vrai que c'est pas la plus vif, hein, elle. Hein. Je me demande si son niveau est pas plus simple quand même que le flic. Hein. Tiens. T'es content? Putain, il a un truc dans sa panière. Hein? Ah, c'est un bouton. Je vais aller vite le déposer. Comme ça, si je me fais choper, c'est pas grave. Bonjour, je suis un client. Ok. Le bas, j'arrive pas à le faire comme il faut. Parce qu'elle est très très souvent là, on va pas se mytho. Oh, une autre clé. Ok, je vais faire ça. En espérant, voilà, qu'elle monte. Moi, j'aimerais trop qu'elle monte. Elle a un bouton aussi derrière, non? Ah non, c'est son tablier. Merde. Pas mal de tableaux. Qui se ressemblent. Là, la clé. Le yinche qui est trop beau. Elle monte. Oh putain. Ça peut me permettre de vite. J'y ai cru. Attends, 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 attends. C'est un truc de... Oh, j'y ai cru. Mais à quoi elle sert la manivelle en haut? Attends, il faut que je mette ça au feu. Peut-être que la manivelle... Je sais pas à quoi ça sert la manivelle, purée. Attends. Là, j'entends de l'eau. J'ai entendu comme de l'eau.
Ok, c'est bon, j'ai compris. Je regardais juste pas au bon endroit. Je crois que je ne regardais pas au bon endroit. C'est aussi simple que ça. C'est bien ça. Je regardais pas au bon endroit. Let's go. Bah, elle est beaucoup plus simple, soyons honnêtes. Je crois que j'en suis à 10 minutes, j'enchaîne. Alors que la police, ça n'avait pas été la même. Il se crame encore. Merde, elle va me rallumer le feu. Elle ravive le feu, hein. Allez, barre-toi, Martine. Je ne sais pas à quoi sert cette manivelle, alors. J'aurais pensé... J'aurais pensé que ça aurait coupé le feu ou je ne sais quoi, et... Pas du tout. Zut alors. Zut, zut, zut. Bon, Martine, tu vas pas rester 10 ans quand même devant ce feu là. Faut que je l'amène là. Mais ça fait faire un sacré détour. Ça fait citron, citron, citron. Là, c'est peut-être un code. Hein. Elle est bloquée. Elle est bloquée, je crois. Je crois que Martine est Keblo. Ce qui est très problématique, hein. Le fait qu'elle soit bloquée, ça nous fait chier à tous, là. Toujours là ? Elle est plus là. Ok. Je l'ai. J'ai la fameuse clé. Elle est en bas, je crois. J'ai cru l'entendre en bas. Après, Kiki, les bonnes infos, c'est pas sûr à chaque fois. Oh, mais ce speedrun! Si, c'était le bouton qui nous manquait? Non, c'était 5. Oh là là, je sais plus. Ah oui. Oui, oui, oui. Où est le dernier bouton? En bas. À moins qu'il soit juste là, sur une table, posée au calme, et je l'ai pas vu. Ah, ce serait trop bien. Ce serait la petite masterclass de fin. Et l'épisode se sera super bien déroulé. Excusez-moi. J'ai pas fait là les petits trucs. Je suis accroupie, je suis comment là parce que... Non, ça me paraît gros. Ça pour moi... T'as le truc où tu peux monter là, mais je vois pas l'intérêt de monter ici. Oh, je suis fière de moi sans déconner. J'avais trop peur là sur l'épisode, j'étais en mode... Bah vu que... Ah, vu qu'avant j'ai galéré et tout, je me suis dit ça va être compliqué pour moi. Mais en fait je suis contente.
Ah. Ah. Attends. Une théière. Pourquoi faire? Une théière. Une théière. Ouais. Une théière? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'une théière? Pour servir le thé, Kiki. Voyons, pour servir le thé. J'entends bien, j'entends bien. Oh non, mais c'est pas possible. Bon, les gars. Toujours la séquence de fin. La séquence de fin. C'est abusé. Il y a un bouton caché dans le... ça fait diplôme que je suis avec ma cuillère. Oh, ma théière, ma cuillère. À chercher où la placer. Et en fait, elle sert à rien. Je pense que la théière ne sert à rien. Ah, à moins qu'elle sert pour la suite du jeu. 1576. Merde. Attends. Et cette clé-là, je la mets où? Faut s'en souvenir maintenant, hein. Elle va où cette clé? Une belle clé noire comme ça. Attends, c'est ouvert là. C'est peut-être là-dedans. Ah, mais là, à chaque fois, c'est ouvert ici. Bon, j'y ai cru. Une belle clé noire comme ça. Est-ce que c'est chez elle? Attends, j'ai fait tous les trucs. J'ai fait tous les trucs, mais j'ai pas vu un buisson quand même où il y avait un truc planqué dedans. Attends, il fait sombre d'un coup, non? Il fait très sombre d'un coup dans le jeu, je trouve. Ah oui! Non mais c'est pas ici, c'est pas possible, j'ai tout fait. J'ai peut-être eu une clé... Oh là là. Une clé pour la prochaine zone. Attends, je vais aller déposer des items, on va aller voir. Et peut-être que les caméras pourront me l'indiquer. On va voir. Une clé noire comme ça. Il fait sombre d'un coup en plus. Il y a eu un chargement quand j'ai récupéré la clé. C'est fatigant quand même de monter ces courses ici, hein, je me dis. Quand même pas évident. Hein. Ah! C'était comme ça tout à l'heure? L'extincteur aussi. Attends, une clé noire. Je trouve ça fait un peu forme papillon. Elle est où la maison du mec flippant? Ah, celle-là, je la voyais bien, mais c'est pas elle. Une clé. Peut-être que c'est chez le voisin fou, hein. Faut que j'arrête de l'appeler comme ça. C'est par où? Ah, c'est là. Après, ils appellent ça muséum. C'est vraiment un manoir. Hein. Du moins quand tu regardes l'extérieur. On n'a pas eu le temps de voir ce qui s'est passé parce que je me suis endormie ou j'ai pris un coup de pelle. Je sais pas trop ce qui s'est passé. C'est encore ouvert, mais bon, est-ce que je veux pas prendre? Oh bah si, c'est ça. Si, c'est ça, les petites ailes. Let's go. Attends. Attends, avant de mettre le reste là. Il y a trois places ici. Ok. Ah. Ouais, bah attends, moi je commence à placer. Attendez, si je peux être un petit peu safe, je déverrouille les endroits moi. Ça fait peur, hein. Oh, il y a une trappe là-haut.
Oh, il est là! Il peut rien ouvrir. Hein. C'est fermé à clé. Attends. Moi, je fais le tour. Hein. Si, attends. Je vais faire un test. Parce que vous allez me dire, arrête avec tes tests foireux, Kiki, ça ne marche jamais. Ah non, peut-être que ces zones-là ne sont pas encore codées, on va dire. Parce que j'allais dire, imaginez, je peux déjà grimper là-haut sans même mettre la clé. Et vous me connaissez bien, je sais. Imaginez. Ah non, c'est ici, putain. Oh, la fierté pendant 2 secondes sur mon visage. On peut pas monter, là? Non, mais je pense qu'en fait, il y aura un truc qui me permettra de monter par la suite. Je pense que c'est juste pas maintenant. Oh, ça aurait été super si j'avais pu faire ça. Bon, allez, on va déverrouiller, on va pas perdre trop de temps. J'essaye. Hein. Je tente des moves. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire là d'ailleurs? Je voulais faire par chapitre et là je m'aperçois que je suis en train de le faire. Merde, il est là, j'avais pas vu. Ouais, qui remonte. Après, il s'est peut-être rendu compte aussi que j'avais piqué un truc. Hein. C'est fort probable, ça. Ouais, qui monte. Si possible. Fait que regarder ici. Ok, il y a l'autre maison. Voilà pourquoi il fait que regarder ici. Ok, j'ai la dernière maison. Barrez-vous s'il vous plaît. C'est tout. Le mec il est en plein sommeil, t'as quelqu'un qui rentre. Après, si je puis me permettre, si vous voulez pas de problème monsieur, fermez cette porte, hein, à clé de préférence. Hein. Il va se barrer là techniquement. C'est fou. Voilà, comme ça il se taille parce que bon. Qu'est-ce qu'il fout? Bon, Michel! Par contre, je crois que j'ai dû me planter au niveau du code couleur parce que la maison de flic, c'est la maison bleue où il y a les flics devant. Bon, par contre, là c'est très désagréable. Hein. J'arrive pas à croire qu'il va rester devant chez lui sans me toucher. C'est quoi ces conneries?
merde. Oh, attends, oh, oh, y a arnaque, là. Clé. Il n'y avait pas une porte à l'arrière qui nécessitait une clé? Une porte qui nécessitait une petite clé, peut-être. Là? Ah non. J'y ai cru. Ok. Ok, j'ai juste déverrouillé la zone. C'est pas trop mal. Sauf qu'il y a du verre ici, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Ok, il est juste là. Je vais essayer de déverrouiller par là. Oh, c'est prenant, t'as envie de continuer là. Je vais peut-être unlocker la porte. Putain. Qu'est-ce que je veux foutre avec une tête de sanglier? Qu'est-ce que je veux foutre avec une tête de sanglier? Attends, là, ça devient compliqué cette histoire là. Oh là 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 là. Une tête de sanglier, tout va bien. Sûrement un endroit où faut entreposer des sangliers, bien évidemment. Ça serait bien qu'ils partent à gauche maintenant. Vas-y, monte. Après, il aime bien qu'on piche ici. Oh putain! Comment ça claque? Ah, c'est juste fait pour faire du bruit, quoi. Oh, ils sont malins. Oh, c'est tellement compliqué. On n'en vient pas là. Il
Une tête de sanglier, mon pote. Merde, il allait dormir. Zut. En fait, j'y vais trop tôt. J'ouvre la porte. Bon les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura fait la boulangère et une partie du voisin. Et par contre, la tête de cochon là. La tête de cochon, c'est pas... Où est-ce que je dois placer ça? J'ai pas été à l'étage, je suis bête. Oui, bah tout l'étage, je l'ai pas encore fait. Du coup, on va trouver la tête de cochon. Oui, ça va être ça. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Du coup, en attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao !